Et plop les gens, ici Zikino, et on continue notre campagne sur The Arbilians. J'ai remarqué en uploadant les dernières vidéos qu'elles seront après les fêtes, et bah du coup, bonne fête de fin d'année 2023, j'espère qu'elles ont été bonnes pour vous, et belle entrée en 2024. Là, au moment où j'enregistre, on est encore début décembre 2023, donc j'espère pouvoir tenir le rythme et comme ça avoir un peu d'avance sur The Arbilians pour pouvoir faire d'autres jeux. Peut-être deux jeux, j'aimerais bien faire deux jeux en alternance, mais voilà. Donc on va continuer notre campagne sur le centre médical Gamma. Donc les points d'empire, les points de recherche, là il n'y a pas de texte en plus. Les objectifs comme d'habitude. Et le petit descriptif. Un vieux complexe médical abandonné depuis longtemps, où seuls les infectés vagabondent dans des chambres et couloirs vides. Le complexe se compose de quatre bâtiments indépendants, reliés par des rues qui passent par ce qui était autrefois un joli parc à statues. Nous ne savons pas s'il s'agissait à l'époque d'un hôpital ou d'un centre d'expérimentation en rapport avec l'infection. Dans tous les cas, c'est un endroit très intéressant où nous pourrons récupérer d'autres technologies antiques de l'homme. Je l'ai lu, mais j'avoue que... Ah oui, quatre bâtiments... Ok, commencez. C'est bien de donner ce conseil de base centrale alors qu'on est dans une mission de héros. Ah. C'est le même début que l'autre. On est dans un couloir là. Sauf que... Ouais, on va pas se remettre avec le... Avec la vue de tous les PV tout de suite. On verra. Donc on est dans un couloir... Oh, il faut pas revenir ici. Il y a deux sorties, d'accord. Centre médical Gamma. Les infectés de niveau 4 sont invités à se rendre dans les salles de recherche nord. Les enfants et autres infectés doivent rejoindre le complexe sud pour réaffectation. Effectivement, de bien belles statues. On peut pas voir ce qui est écrit. On voit mieux celles qui sont en dessous qu'au-dessus. C'est dommage. Alors... je sais pas ce que c'est qu'un infecté de niveau 4, mais je suppose que les enfants sont plus facilement... bref. Gérable. Allez, il y a une vraie entrée. Alors si je lui dis là, il fait le tour, oui.
me remettre pour voir les PV. Hein. Ça pour deux grenades, je suppose. C'est bien ça, mais c'est aussi pour la certitude de savoir qu'on a tout nettoyé. Avant de rentrer, je pense qu'on va faire le tour de l'autre côté, on sait jamais. Ça, c'est des dirigeants, c'est pas accueillant. Ok, une porte ici. Il a réussi à s'en débarrasser. Chambre des modérément infectés. Attention, chambre à usage exclusif des infectés de niveau 2 ou moins. Non, on n'a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. On va faire... J'ai l'air tout l'extérieur, mais au moins tout l'extérieur de cette zone-là avant de rentrer. Après, potentiellement tout l'extérieur tout court. Tant qu'on trouve pas de spawner, on est bien. Ah, si ça a l'air d'être... compromis. D'entrée. Administration du centre gamme. Attention, passez par le couloir de décontamination avant d'entrer dans cette salle. Par où est-ce qu'il va essayer d'aller? Par en haut, d'accord. Là, on voit plus personne. On va aller dans les niveaux 2, hein. On verra ce qui se passe. Une porte, il n'y a rien. Ok, je préfère qu'il y en ait plein, mais qu'ils avancent à ce rythme-là que l'inverse.
Les dégâts de zone sont avec nous ici. Ah, il y en avait là. Ah, celui-ci n'avait rien. J'ai même pas regardé ce que j'ai gagné. Je pose deux fois des points de recherche, vu que j'en ai 60 et que j'ai pas plus de grenades et de. Pose de soins. Chose. Là aussi. Bah, du coup, on va aller au sud, comme ça on aura fait... qu'on pouvait sur le sud, on n'aura pas besoin de revenir. Merde, j'ai mis ce clic. Mais bon. Chambre et salle des enfants. Attention, ne pas aller plus loin. Traitement laser d'urgence administré par l'infirmière en service. Laser. Il y a des toiles laser. Service, attention, nettoyage en cours. Merci d'attendre que le personnel de service termine son travail. C'est bon, ils nous font pas trop tirer sur des enfants. Une harpie. Oh. Note manuscrite. Vous trouvez une note écrite par un enfant. Hein, jugé par la calligraphie, les notes indiquent. Ils vont revenir quand mes parents. L'infirmière fait des bruits bizarres et j'ai peur. Ce soir, je vais dormir avec ce masque que j'ai trouvé. Avec ça, rien ne risque de m'arriver. Masque. Ah. Peut-être un truc justement pour pas respirer le. Les rats, on s'en fout. C'est... Par contre, ouais, la harpie, là, l'infirmière qui a bouffé tous les enfants.
Super. Ça oui, service nettoyage en cours. Là, il n'y avait pas de bouquin sur les tables. Ben, go. Hein. Okay. On ne va surtout pas ouvrir la porte. Alors, un dévier différent, mais oh, de soins là-haut. PV, ouais. Me suis laissé un petit peu croquer, mais pas plus, hein. Tiens, non. Ok. On a fait cette moitié sud. Au moins, il y a ça qu'on n'a pas encore vu. C'est étrange qu'il n'y ait plus de spawner comme... Comme il y en avait avant, régulièrement. On recule un petit peu pour être sûr de pas trop en attirer. On recule un petit peu. Le pont est fait. Cette partie-là du pont est fait. Oh là là, qu'est-ce? Deux grenades, d'accord. Salle de thérapie expérimentale. Attention, sujet sous traitement expérimental 605. Détection d'une augmentation de l'agressivité et des fonctions motrices chez sujet sélectionné. C'est vraiment des couloirs, des couloirs, des couloirs. Hein. On aurait pu esquiver tout le pont. Apparemment.
the humans. No problem. For the humans. Perfect. Come on. Interesting. Come on. Let's go. Nice. Okay. Let's go. Perfect. All right. Come on. Accès aux cuisines et à la salle à manger. Attention, menu du jour, viande mi-cuite pour le résident infecté de niveau 4. Ils sont déjà infectés, du coup on leur cuit qu'à moitié la viande, c'est un peu... Non ? Let's go. Come on. For the humans. Come on. Let's go. The more the merrier. That's easy. That's easy. This is going to be fun. Et on va repartir ici. Un grenade. Voilà. On va quand même commencer par ici. On n'a pas d'infos de ce que c'est. Là, j'ai un doute. J'ai un peu oublié plutôt. On n'a pas beaucoup de recherche. Hein. Une détection de l'agressivité. Oh! Rien de garder. I still have some tricks up my sleeve. Nice. This is for the Empire. Ça rien de garder la, le soin et il me restait 4 PV. Des thérapies expérimentales, attention au sujet sous traitement expérimental 605. Oui, mais on a déjà lu ça. Ah oui, puisque c'est l'entrée par le côté.
Salle de soins numéro 1. Attention, ne pas déranger le personnel médical lors des traitements par électrochoc. Comment ça, électrochoc? Il y a un dédale. Ça, le soin numéro 2. Attention, le traitement par radiothérapie peut être mortel pour les personnes non infectées. Bon. Je pense qu'on aurait mieux fait d'ouvrir par ici. Mais bon, on va le savoir. Donc on peut les attirer plus ou moins un par un, on prend. Là il y a deux trucs, il y en a un troisième. 32 sciences, 20 sciences. 20 points d'empire. Ici, il y a quelque chose. Trop de soins que j'ai failli louper en me disant ça vient de clignoter à droite. J'ai rien vu d'autre. Alors que la trousse de soins, on est un peu désespérément besoin. Enfin, là, tout de suite, ça va, mais. Avant d'ouvrir, on va vérifier que. Ouais. Soit libre parce que en ouvrant on va forcément faire du bruit. Et en faisant du bruit on va attirer ceux qui sont dans les couloirs d'à côté qu'on n'a pas vidé. C'est pas génial. Entrepôt, attention, ne pas placer de matière radioactive ou autre contaminant ici. Salle de soins numéro 3, attention, le traitement par ultrasons n'aura réussi qu'à augmenter les capacités de détection acoustique des personnes infectées. La zone sera maintenue en quarantaine jusqu'à nouvel ordre. Ouais, c'est... On essaie de les électrocuter, on essaie de les irradier... Donc électrocuter, ça fait des dirigeants. Irradier et ultrasons, on ne sait pas trop encore. Okay, on va finir ce couloir, comme ça, ça sera fait. Salle de recyclage organique. Attention, ne pas s'approcher des machines de recyclage. Les infectés de niveau 5 ne peuvent accéder à la zone que correctement retenue par des chaînes par le personnel de sécurité. Et bien, accès aux cuisines et à la salle à manger. Attention, menu du jour, viande mi-cuite pour les résidents infectés de niveau 4. Et hop, et on reviendra là. Du coup, qu'est-ce que tu fous ici, toi? Ça, c'est normal. Peut ouvrir la porte de ce côté-là quand même.
censé pas être ouf, mais on a fait suffisamment le ménage. Justement, si on avait ouvert, le packer était là. Bon, on aurait aussi utilisé une grenade, mais on les aurait peut-être vus moins vite et du coup, on aurait peut-être fait un peu plus en catastrophe la grenade. Par contre, c'est dit en 4 bâtiments, donc là il y en a un, là il y en a un deuxième. Pour le moment, je vois que 2 bâtiments. Alors, il y a au moins ces deux. On s'appelle armoires qui réagissent. Sérieux, l'entrepôt, y a rien. Tant mieux, hein. Personne ne s'est laissé tourner enfermé dans l'entrepôt, mais on y trouve de la science et des grenades. Ça me paraît bien. Alors ceux-là, aux ultrasons, ils ont eu... Ils entendent mieux. Il y a des chances qu'on finisse quand même par balancer une grenade là. Comme ça. Juste pour aller un peu plus vite. Donc là il y a un truc qui a brillé. Là il y a ça qui n'a pas brillé. Ici il y a des deux qui ont brillé. Et je crois que du coup ça sera tout. N'empêche, 562 sciences, c'est pas rien pour une mission. Euh,
Là, c'était quoi? Je sais même pas si je l'ai lu. Ah oui. Pourquoi t'es pas enchaîné? Pourquoi tu cours aussi vite que moi? Presque aussi vite que moi. Ah, il y a ça, donc les deux qui viennent de briller. Il y a des trucs là-haut. Ouais. Je viens de le voir briller aussi. On a déjà fait plus de la moitié de l'émission, si on en croit les... les ressources. Non, on a l'impression d'avoir fait les trois quarts. Là, c'était... Oui, la garde-manger, la salle à manger. Alors, y a rien ici? Si, au moins un truc ici. 10.2. Tant pis, on ne crachera pas dessus. Voilà. On va quand même revenir dans le bon sens. Pour tout explorer, mais être sûr de ne pas en avoir qui arrive dans le dos. Là, on a un carré, on peut le faire tourner autant qu'on veut. J'ai cru que la souris avait changé. Ça aurait pu être dramatique si on était parti à leur tirer dessus à eux et puis tout d'un coup il y a le gros qui nous entend et qui nous vient dans le dos. Ok, là il y a une descente. On n'a toujours pas l'artefact de mission. Et on a 60% des deux objectifs. Il
Donc on ne peut même pas sortir pour le moment. On trouvait. Dans les chemins, dans les bois comme ça. On va lui dire d'attaquer quand... Voilà. Il est là, mais non, apparemment, même pas besoin d'attendre autant qu'il s'arrête, c'est bon. Donc de là, je sais plus ce que c'était, mais il a directement trouvé qu'on pouvait aller là. Et encore une porte. Est-ce que ça sera la dernière? Mais on était à 60%, ça m'embête un petit peu. Genre on en est que aux trois quarts quoi. Alors que j'ai quand même l'impression que toute la carte a été découverte. Une grenade. J'ai plus d'angle pour les pour mettre une grenade ici, mais j'en aurais bien mis une. J'ai une là. Non, non. Ouais, d'accord. Si je réussis à rentrer dans la salle, j'ai au moins une grenade de chaque côté possible. Du coup, tout ça va être trop attiré par le bruit pour me laisser le temps de leur balancer des grenades à la tête. Alors ici. More
Let's go. Of course. Let's go. Aïe, aïe, aïe. J'ai regardé parce que j'ai l'impression qu'ici on pourrait mettre un bâtiment. Potentiellement ici aussi, mais... Après là... 2, 3, 4... On voit pas bien les bords, donc il y a peut-être... Ouais. Il y a au moins 4, peut-être plus... choses qui clignotent ici. Disant que j'ai peut-être loupé quelque chose ailleurs, mais en espérant pas trop. Ça faisait peut-être suffisamment. Et là, normalement, c'est le dernier. Ok, pas de spawner. Tous les objets de valeur pour l'Empire. Et j'espère toutes les sciences pour l'Empire. Tous les objets de recherche pour l'Empire. Parfait. On n'a plus qu'à s'échapper. Et on va s'échapper par là, tant qu'à faire. On a tué... On a nettoyé... le centre médical et de recherche. En une seule prise. Bon, le jeu dit 29 minutes, le enregistrement dit 47. Je vais pas lancer à la seconde, mais quand même. Par contre, 500 points de recherche, ça va. Oui. Oh, ça fait du bien tout ça. On va pas forcément valider maintenant, mais... On peut aller là... On peut aller là... Et... voilà. Tourelle de choc. Plus de mercenaires, mais on n'a pas l'auberge. Bon, clairement ça, on s'en fout, mais au moment en tout cas... On peut commencer à avoir des vrais radars, des unités avancées. Le Lucifer, c'est le... Il me semble que c'est celui qui a le lance-flamme, justement. Avoir du pétrole régulièrement. Avoir des moulins ou des fermes améliorées. Transmutation chimique. Le transmutateur d'Atlas. Personne ne sait comment cela fonctionne, mais cet extraordinaire amas de métal fumant est capable de transformer les matériaux communs en pétrole raffiné. Oh. On pourrait avoir du pétrole comme ça à l'infini. Dont on se servirait que pour les fermes. Mais voilà quoi, c'est possible. On va les sphères à plasma, les nombres de toiles de choc, elles sont là, qu'est-ce que... Ah oui, elle, moins d'énergie requis, d'accord. Enfin voilà, peut-être que c'est peut-être plus intéressant pour tout de suite. En tout cas, on a pas mal... Et ça va pas s'arrêter là parce que
Ouais, parce qu'on a soit une mission de héros, soit des hordes à faire, donc il n'y a pas de raison de dépenser ces points dans les recherches tout de suite. Par contre, dans les points de héros... vitesse de recharge de l'arme, je m'en fiche un peu. Portée d'attaque et portée de vue, ça peut être bien. Sa vitesse, comme ça on perd moins de temps et puis on peut mieux kiter. Le rayon d'effet, c'est toujours intéressant aussi. Là, ça augmenterait les dégâts, enfin ça débloquerait les dégâts, là, la vie. Electica. Il recharge déjà bien plus vite son arme qu'avant, mais j'ai l'impression que il a juste pas la stat, c'est peut-être plus pour l'autre héros. Du coup, ça fait tout ça qu'on a pris pour rien. Et c'est le cas. C'est un peu dommage de nous avoir laissé le faire. Mais la portée là comme ça, ça me paraît bien. Essayer de se débloquer les dégâts d'attaque ici plutôt que la vie. Ou alors un peu plus de dégâts d'attaque comme ça les... quand il y a plusieurs chefs d'entreprise. Ils souffrent. Mais de toute façon ils sont bloqués loin. Donc on va peut-être faire tireur de loin. Hein. L'armure ou tirer plus loin. Tirer plus loin, ça permet de laisser plus le temps de réagir. Allez, ça sera tout pour cet épisode d'expédition au centre médical Gamma. J'espère que l'épisode vous a plu. Et je pense qu'on va se tenter très certainement cette horde-ci, mais peut-être celle-là au prochain épisode. Celle-ci, c'est mort. C'est mort. Le marais toxique, c'est avenant. Hein. Peut-être qu'on fera même les deux hordes dans les prochains épisodes. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Bye bye.